Bonjour. Ange Pagani? On se connaît? Ah bon? Non, mais je demande. Je m'appelle Gabrielle Meyer. Faut absolument que je vous parle. Oui, c'est pas le moment, parce que j'ai rendez-vous d'ici 2-3 minutes. Vous voulez pas voir ça avec mon assistante? Non, c'est à propos de ma fille. Elle s'appelle Claire. Claire. Elle a 17 ans. Elle est enceinte. Bon, ben, je ne connais pas Claire de 17 ans, je vois pas comment je peux vous aider. Elle est enceinte de votre fils, monsieur. Il lui a fait un enfant, il est parti. Vous comprenez le problème? Le seul problème que je vois, madame, c'est que je n'ai pas de fils. Je suis désolé pour votre fille, je suis désolé aussi pour vous par la même occasion, mais j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Donc je vous demande de partir. Pour un juge, c'est justement ça la récidive. Je vous jure qu'elle n'était pas à moi, cette drogue. Elle était pour... Je fais quelques commissions, c'est tout. Je fais pas de miracle, jeune fille. Vous allez rester 2 ou 3 jours, le temps que je trouve une caution. Puis après, comme vous avez un bon avocat, je devrais pouvoir négocier une peine de moins de 18 mois. En tout cas, moins de 2 ans dans une maison d'arrêt près d'ici. C'est un enfant, Mélanie. C'est pas un projet, un enfant. Un projet, c'est un logement, un travail. Ça viendra après, ça. Et tu lui as dit à la juge? Elle a su par le dossier. Vas-y, quelle tête elle a fait? Elle a halluciné ou quoi? Ben, je pense qu'elle a été à la fois inquiète et émue. Pourquoi inquiète? Ben, parce qu'un enfant à 17 ans, Mamie, c'est pas simple. C'est pas grave, mais c'est pas simple. J'ai pas de café. Si vous voulez un chocolat. Non, non, merci, ça ira. Je préférerais qu'on commence l'évaluation parce que j'ai d'autres familles à voir derrière. Ah, les poux, ils sont terribles, hein, ça résiste à tout. Hein. Non, on pourra en faire un élevage. Hein. Ouais. Les intermittents du spectacle? Oui, enfin, je l'étais, là je le suis plus. Hein, mais intermittent, c'est pas un métier, hein, c'est juste un statut. Hein. Musicien, comédien, vous savez faire le show, vous savez amuser les gens. Oui, enfin. Et par rapport à ce que vous me demandez, je suis pas sûr d'avoir la formation. Je me casse le cul pour t'aider, moi. Et toi, tu fais traîner. Arrête là. Tu te fais sauter toute la journée. C'est sûr que t'aimes ça. Ok, Gaëtan, l'arrête. Mais dis-le-moi une bonne fois pour toutes que t'aimes ça être une pute. Et le problème sera réglé. Tu vas aller où? Bah, je vais rester sur Dunkerque. Ma femme et moi, on va se séparer. Mais vous allez pas avoir d'enfant, alors? Non. En tout cas, pas ensemble. Et... C'est elle ou c'est toi qui as cassé? C'est elle. Oh, si tu veux, je te le fais, ton déménagement. Pardon? Je t'aime.